tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, mais je vais tout de suite partir. Donc j'introduis un peu rapidement, je suis en train de mettre mes chaussettes, c'est compliqué. Nous sommes actuellement le jeudi 5 novembre, c'est l'anniversaire de mon père. Bon anniversaire papa. Il a actuellement 59 ans. Ma mère hier qui me disait je trouve qu'il les fait pas. J'ai dit non. 59 ans pour mon papa aujourd'hui. Et ma mère c'est le mois prochain que c'est son anniversaire. Le 4 décembre, 5 novembre, 4 décembre. Et bah du coup, je me suis réveillé ce matin autour de 8h, 8h30. Juste eu un coup de fil pour me confirmer en fait l'heure de rendez-vous que j'ai ce matin, parce que j'ai un rendez-vous assez important ce matin. Hop. Et du coup je dois m'y rendre pour 10h, donc là je vais partir d'ici une dizaine de minutes. J'ai eu le temps de me lever, d'étouffer. J'arrêtais pas de tousser, j'ai la gorge qui me grattait un enfer. Là c'est bon, ça va beaucoup mieux. Mais tu sais, les quintes de toux, elles arrivent comme ça, surtout le matin, c'est après avoir dormi, ça te démolit. Et j'ai eu le temps de monter mon vlog. Alléluia. Donc là, il est en train de rendre. Je vais le mettre en envoi sur YouTube avant de partir, comme ça au moins c'est fait. J'ai imprimé les papiers que j'ai besoin, j'ai mon téléphone. Je vais mettre mon petit pull, je vais me brosser les dents, me brosser un coup la barbe. Et après, hop, c'est parti, je m'en vais. Faut que je sorte mon attestation aussi, du coup, pour ce saint rendez-vous. Hop. Et j'ai hâte que ce soit fini. Alors, au niveau douleur, ça fait un peu, j'ai un peu moins mal qu'hier. Bon après je me méfie parce que le matin ça fait toujours moins mal. J'ai un petit peu moins mal qu'hier, c'est... Voilà, ça bouge un peu moins donc ça va. Enfin ça fait un peu moins mal quand je bouge. Mais bon je me méfie quand même parce que... On ne sait jamais, on ne sait jamais. Dans tous les cas voilà, j'ai ce rendez-vous à 10h, après je rentre à la maison. Après j'ai du boulot, j'ai une facecam à tourner, à monter, à rendre. Et du courrier à faire. Encore, faut que je le termine pour pouvoir le poster en fait demain comme ça, je le poste avant le week-end. J'ai aussi des trucs sur la CAF à faire. Parce qu'ils ont enfin traité mes modifications et mon dossier. Il était temps. Et voilà, j'ai pas mal de tâches administratives à faire et tout. Et je vais essayer de jouer au jeu Alix. Du coup, je vous avais parlé hier de jeu de réalité virtuelle absolument incroyable. J'ai du coup joué aujourd'hui et je vais voir ce que ça donne en vrai, parce que j'ai essayé un tout petit peu hier soir, mais j'avais vachement mal, du coup j'ai arrêté. J'ai essayé genre 5 minutes et c'était déjà assez incroyable. Ouais, je suis têtu, ouais, j'ai mal, mais j'essaie quand même. Hein. Je suis comme ça. Hein. Bref, la priorité là tout de suite, c'est de me faire à peu près présentable avec petit brossage de barbe, n'est-ce pas? Brossage de cheveux? Bah non, y a pas besoin. Petit brossage de barbe et tout. Voilà. Je sais pas combien de temps le rendez-vous va durer. Peut-être long, peut-être pas long, je ne sais pas du tout. Je verrai bien de toute manière. Ah j'aime bien, je commence vraiment à voir la barbe qui se rejoint là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Hop, ça c'est fait. Je vais me brosser les dents aussi au passage. Et puis comme ça après je serai tout prêt pour aller à ce rendez-vous. Et après continuer la journée dans ce sens. Je dois recevoir aujourd'hui normalement les oreillers. Les nouveaux oreillers, j'espère. J'espère vraiment. J'espère vraiment. Et puis on verra du coup ce que ça donne. Je vous montrerai de toute façon en vidéo et tout ça. Il n'y a pas de lézard. Bon les amis, je viens de rentrer. Alors cocasse la situation. En fait, savoir rendez-vous à Saint-Dié, mais en fait non, j'avais rendez-vous ailleurs. J'arrive à Saint-Dié, j'en dis j'ai rendez-vous. Ils me disent bah non, c'est pas ici. Je dis oh putain, ils me disent c'est dans une autre ville. Je dis non. Du coup, j'ai dû reprendre la route et tout. Bref, dans tous les cas, c'est bon. Mon rendez-vous est passé. Je suis soulagé, très soulagé. Et puis maintenant, je suis passé à la boulangerie, il a vite fait me prendre un pâté lorrain. J'étais juste à côté de la boulangerie, j'en ai profité. J'ai pris un petit pâté lorrain, et puis là, je viens de rentrer, donc il est 11h10, je vais aller mettre en ligne mon vlog. Et puis après, j'ai faim, je crois que je vais commencer... J'ai vu que putain, comment ça s'appelle? La boîte aux lettres est chargée, donc je vais aller voir ce qu'il y a dans la boîte aux lettres déjà. Je vais regarder ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Et puis apparemment, les coussins, bah, je les ai ratés. Ça rentrait pas dans la boîte aux lettres, je pense. Bon, je vais aller chercher dans la boîte aux lettres ce qu'il y a, et je reviens. C'est bon, je suis là. Alors, j'ai reçu plusieurs trucs. Ça, c'est à moi. J'ai un avis de passage de colis, donc ça, c'est les... Ah non, c'est Laura. Ah non, c'est Laura. Un colis pour elle. Ah bah, je croyais que c'était pour moi, mais en fait, c'est pour Laura. Elle a dû commander quelque chose, c'est un courrier pour elle aussi. Nous avons ici un premier colis. Je sais ce que c'est le câble pour pouvoir brancher le casque de réalité virtuelle sur le PC portable. Je pense pas le faire aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Mais je m'y attellerai peut-être ce week-end, quand j'aurai un petit peu plus de temps. Oui, parce que oui, malgré mon activité rémunératrice, ça me prend du temps en fait. Hop. Donc normalement... Ouais, normalement c'est bon, ça devrait marcher avec ce câble-là. Ils font du USB-C maintenant pour tout, hein. Même pour du DisplayPort, il y a du USB-C, c'est ouf, hein. Ça, je crois que ça doit être la housse de couette. Je suis trop content. Ouais, c'est notre petite housse de couette qu'on a commandée. Voilà, Duvet Cover Set, King Size,
Petite blouse de couette, oui, je suis très content, voilà. Bon, dans tous les cas, là, je vais manger un petit morceau, mettre en ligne ma vidéo, et puis après, bah, je vous reprendrai. Petit canaillou, salut, il est actuellement 13h, donc j'ai mangé tout à l'heure mon... En fait, j'ai acheté deux pâtés poulet et un pâté lorrain au porc, et j'ai juste mangé un pâté poulet. J'ai pas réussi à manger plus, je sais pas, j'avais pas faim, c'était bizarre, c'est étrange venant de moi, hein. Vraiment, c'est très particulier. Bref, dans tous les cas, c'est bon, c'est fait, j'ai mangé, je suis allé sur le PC bosser un peu, et là, j'ai reçu les 100 oreillers, donc les nouveaux oreillers. Ah, c'est très bizarre comme je déballe ça. Oh, oh, c'est un nuage. Oh putain, ça fait du bien. Ah, oh, je suis content. Ah, oh, des bons oreillers. Tout joli, tout propre. Là, je suis en train d'attendre que les draps lavent pour pouvoir les mettre sur le lit, les nouveaux draps. Ça, c'est le deuxième. The second pillow. Ah, c'est trop agréable. Je suis trop content. Ah, ça fait plaisir. Bref, ça c'est fait. Bah, c'est tout. J'ai rien d'autre à vous montrer, je crois. Non, bah non, c'est tout. Bon, je vais retourner sur le PC. J'ai une facecam à tourner. Mais je crois qu'aujourd'hui, je vais vous mettre la facecam du déballage du HTC Vive Cosmos. Parce que j'ai encore des courriers à faire et tout. Donc, je pense pas avoir le temps de tourner une facecam là tout de suite. Je ferai qu'il fait un live Fortnite. C'est un jeu pour les enfants, Geoffrey, je te l'ai dit. Je suis pas du tout fan de Fortnite, j'ai essayé de jouer un peu, mais j'aime pas Bibi, elle adore, mais moi c'est pas trop... Fortnite, c'est pas trop mon truc. En toute sincérité. Bon allez, je vais retourner en haut, bosser un petit peu, et je vous reprendrai tranquillou après. Vis-à-vis du dos en tout cas, parce que je sais pas si je vous en ai parlé, ça va un peu mieux, j'ai moins mal au dos que t'as le masque que j'ai mis ce matin pour rendez-vous, il est chiant. Ouais, donc du coup, bah ça va mieux, ma nuque, j'ai encore mal, hein, bien évidemment, mais ça... Au boulot de ma mère, ils lui ont demandé de faire une liste des tâches qu'elle fait en fait. Qui fait quoi pour que je refasse un plan de nettoyage comme nous avions. Et ma mère, elle fait un... Wesh, tout ce qu'elle fait. La vache. Ah. Bon, dans tous les cas, là j'ai des... Pourquoi j'ai du stylo sur le dos? Je voulais vite fait à Alix hier. Je vous ai dit que j'allais peut-être vous en faire des vidéos VR, mais en fait non, je vais pas vous faire de vidéos VR. Parce qu'en fait j'ai envie de profiter du jeu à 100%, plutôt que de m'embêter à me dire « Ah, est-ce que j'enregistre? Est-ce que ça enregistre ou pas? Pas que ça soit trop long, pas plus de 15 minutes, parce que la caméra elle coupe, etc. etc. » En fait, j'ai envie de profiter du game au maximum. Peut-être que je vous en ferai une fois... Est-ce que j'en ferai une fois? Peut-être que je vous en ferai une fois que j'aurai terminé le jeu pour vous faire découvrir, parce que le jeu est hallucinant, toutes les conneries que tu peux faire dedans. ouais non, je suis très content, je suis super content en tout cas de ce jeu. Je joue pas longtemps parce que la VR, vous savez, en plus j'ai pas envie de me refaire mal au dos, t'as le casque sur la tête, même si c'est pas trop lourd, c'est toujours ça. Et puis tu vois pas le temps passer, et puis au bout d'un moment ça fait ça fatigue quand même pas mal, la VR ça fatigue beaucoup, surtout que ce jeu là c'est énormément d'interactions, de mouvements, etc. Tu peux tout prendre dans le jeu, tu peux tout prendre, tous les objets, les casser, les machins et tout, c'est très rigolo. Mais du coup c'est très fatigant. Là par contre je vais monter, j'ai des affaires à ranger qui sont séchées pour libérer les bacs. Et là je vais récupérer après les linges, je vais mettre au sèche-linge aussi, ce qu'on va mettre dans nos nouveaux draps de lit. Puis j'ai aussi une promo à faire sur Instagram pour Emma Matelas. J'en profiterai du coup quand je changerai les draps pour vous en parler. Hop. Ah, les gens sont choqués que des petites personnes dénuées d'intelligence aient essayé de mettre à mal le business de Laura. Enfin, le business, la VDI de Laura. Aïe, aïe, ça. Bon, moi, je suis pas étonné, hein, de toute façon. Bref, c'est parti, je vais monter, je vais aller ranger tout ça. Comme ça, ça sera fait. Et puis après, je passerai à autre chose. Après, j'ai encore du linge en bas à ranger et tout. Laura a fait un gros coup de ménage hier. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai des linges à ranger. Je vais m'en occuper. Bisous, bisous. Je vais ouvrir cette fenêtre pour aérer un peu. Hop. Fermer la porte pour pas que ça claque. Ah ouais là.
Alors, d'où vient ce ah ouais hein? C'est Geoffrey en fait. À chaque fois qu'on joue ou qu'on parle, on est ah ouais hein? Bref, excusez-moi, j'étais en train de ranger, nettoyer. Du coup, bah, j'ai défait notre lit, j'ai enlevé les draps. J'ai refait les lits vite fait des filles. J'ai rangé pas mal d'affaires à elles dans les placards, surtout les garçons aussi. Pas mal d'affaires des garçons qui sont maintenant dans les placards. J'ai nettoyé un petit peu. J'ai rangé un petit peu aussi. En bas aussi, j'ai rangé la salle de bain parce que j'avais laissé ma tondeuse et tout ça sorti. Je les ai remis dans la boîte et tout. J'ai tout rangé, ça c'est bon. Là, dans cette chambre, il va falloir que je fixe ces petites choses. Donc il y a ça, qui est un porte-manteau pour mettre les petites robes de princesse et tout. Entre autres, mais je sais pas du tout où je vais mettre. Je sais pas du tout où je vais les mettre. Attends, hop là, j'enlève juste les fixes. J'ai aucune idée. Je sais pas dans quel sens je vais les mettre, je sais pas où. Je pensais ici, mais il y a le bureau qui se tire du coup pour pouvoir travailler, donc ça va pas. Je sais pas, je vais voir parce que de toute façon je vais peindre ce mur là et le mur là en blanc. D'ailleurs, je pense que j'irai acheter demain la peinture et j'attaquerai ça samedi. On a pas pour longtemps, on a peint les deux murs, j'en ai pour quoi 2-3 heures avec le séchage et tout. Ça va, c'est pas très compliqué. En plus, là, juste d'attirer les meubles, retirer ce qu'il y a au mur et vite fait, tac 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 tac, de peindre. Ça va éclaircir la pièce de ouf, hein. De ouf, ça va éclaircir la pièce, hein. Ouais, je suis content. Comme ça, après, je pourrais fixer les étagères parce que j'ai trois petites étagères qui vont aller là-bas. Du coup, qui vont aller comme ça. 1, 2, 3. Ça agrémente un petit peu, ça coûte pas grand-chose et puis ça agrémente un petit peu, je trouve ça sympa. Donc voilà, hop. C'est parti pour l'aérage. Il fait pas chaud dehors, hein. Ça c'est vachement rafraîchi hein. C'est parti pour l'aérage et puis là je vais continuer un petit peu le rangement. Par contre cette fois-ci en bas. Et puis je reprendrai après tranquillou hein. Et envie de faire une petite pause dans le boulot. J'ai proposé à Geoffrey une petite partie de Warzone. Mais le jeune homme ne répond pas. Donc je pense qu'il est actuellement endormi. À mon avis il doit faire dodo. Donc je vais faire une partie de Alix Super Jambier que je vous ai parlé. Incroyable, le jeu il est incroyable. Un truc de ouf. Un truc de malade. Hop. Je vais démarrer les manettes, celles-là elles sont allumées. Mettre le casque, j'ai juste toujours un problème avec ce casque, j'arrive pas à mettre les écouteurs correctement. C'est dingue hein. Ils sont trop. Ça m'écrase les oreilles en fait et du coup bah ça veut pas. Je sais pas ce que je peux faire pour régler ça correctement, je ne sais pas. C'est dommage. Ah mais j'avais pas vu que j'avais. J'avais pas enlevé le petit œil de protection sur le détecteur de visage. Bon allez, c'est parti. Je vais m'enfermer dans la réalité virtuelle. Hein, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est planté? Comment l'écran est tout noir? Ouais, vous voyez mes oreilles, elles se mettent pas. Enfin, je pense que vous êtes là, attendez, je sors du cadre pour voir. Oula, je suis tout prêt. Mes écouteurs ne sont. Ah si celui-là, c'est lui. Ah là là là. Bon mes petites canailles, il nous vaudra son propre, ça y est. Bon, hop. Je vais maintenant préparer, remettre tout sur le lit. Donc en attendant, hop. Ah bah là, si on n'a pas d'oreiller, on n'en a pas parce que je garde les deux anciens. En plus des deux nouveaux super moelleux. Alors je vous les mettrai sur mon site internet, adrien-youtube.fr. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous les retrouverez dessus. Ils ont beaucoup d'avis. Ils ne coûtent pas une fortune, franchement ça va. C'est plutôt raisonnable au niveau du tarif. Donc ça vaut vraiment le coup, donc n'hésitez pas à en profiter de cette petite promo. Je vous mettrai la petite housse de couette aussi, alors elle est très douce. C'est ce que j'avais vu pareil dans les avis, ils disaient qu'elle était d'une qualité très très douce la housse de couette et je confirme. Elle est toute douce au toucher, c'est un toucher, c'est pas rugueux quoi, c'est pas du vieux, enfin du vieux. On n'est pas sur du, alors je garde les anciens coussins du coup, comme ils étaient, mais on n'est pas sur du... La texture un peu synthé ou je sais pas quoi, tu vois. On est vraiment sur une belle personne. C'est une très belle personne. Vraiment. Là, on est sur du soft, quoi. Le mec, il fait du télage. Tout, tout, tout. Alors, les coussins, c'est du 60-60. Et la housse, c'est du 65-65. Vraiment, la housse, ça devrait passer. Je vais mettre la méthode réversible, c'est-à-dire que je prends à l'envers. Voilà, tu prends la couette ou les housses à l'envers. Tu piques et après tu emballes. Ah, wesh, ils sont vraiment super moelleux. Rien à voir quoi. Rien à voir avec les autres. Hein. Là au-dessus, c'est le soleil. Hein. Oh, regarde ça. Regarde ça, Eddie.
Bref, ce soir nous mangeons des pavés de steak, des pavés de bœuf, au poivre, mais en fait il n'y avait plus qu'au poivre, donc je m'en fous un peu moi, et des haricots verts. Et j'ai acheté des petits fromages locaux d'un producteur à côté d'ici, qui vendait du coup à la supérette ces petits frometons. Je vous ai dit en fait, j'ai deux supérettes, celle-là, et une autre un peu plus loin. Et celle-là ici, elle était fermée aujourd'hui, elle est fermée jeudi, donc je suis allé à l'autre. Pareil, il n'y avait personne, c'est mieux que le supermarché. Et du coup, ils vendent souvent des viandes du producteur, des saucissons, des machins. Et bah là, en l'occurrence, je lui ai pris des fromages de bœuf. Je faisais du fromage de chèvre, du fromage de bœuf, fromage de vache. Et là, je lui ai pris des petits fromages frais à l'échalote, etc. Des trucs que je prenais à l'époque quand j'allais sur les marchés. Vous savez, j'achetais souvent au marché près de chez mes parents. Il y avait un marché à ciel ouvert et tout ça, une fois par semaine. Ils vendaient plein de produits comme ça. Du coup, de producteurs locaux. Et voilà, ben c'est le cas. Hop, je vais inverser la couette pour pouvoir choper et la mettre plus facilement. Voilà. Hop. Ah, j'ai hâte de faire une belle petite photo et envoyer à Laura en lui montrant, en disant « Regarde comment on est petit potrin !» Hop. C'est des trucs que tu penses jamais à changer. Enfin, moi, que voilà, je suis pas trop déco et tout. Mais je suis trop content, là. Oh ouais, là, vraiment, vraiment, la texture est ultra douce. Là, on est vraiment sur une texture super douce. On a une grande couette, une 220-240. Et vaut mieux parce que Laura a la fâcheuse tendance la nuit de s'octroyer la couette. Elle s'enroule dedans. Résultat, moi souvent j'ai une jambe à l'air. Alors du coup, maintenant j'hésite pas, je tire un peu la couette en disant oh, tu déconnes ou quoi. Donc je tire un peu la couette, elle s'en rend compte, elle la relâche un peu. Mais Laura elle est comme ça, elle s'enroule dans la couette. Aïe aïe. Voilà. Et du coup, elle est des deux côtés. Cette fois, tu peux la mettre des deux côtés. Et ça, c'est un peu beau. Ça, c'est un peu beau, quand même. Ah, c'est magnifique. Ah, je suis content. Là, je fais ça et après, j'irai faire à manger. Ah, la vache. Bon, j'ai plus de batterie, j'espère que ça va pas couper. Avant que je vous montre le résultat. Comment on va être bien avec ses oreillers. Mon dieu, fini. Bon là j'ai plus trop mal. Encore un petit peu mais ça va. Et voilà ce que ça donne avant que ça coupe. Oui, c'est mignon. Oui. En vrai la couette elle est vraiment trop confortable. Bon écoutez les amis, il est actuellement 20h23. Nous avons mangé les haricots et les beefsteaks. Enfin les pavés. C'était très bon en somme. Hein. C'était très très bon. Ensuite je suis allé un peu sur le PC là. Et puis j'ai mon live à 21h30. Donc j'ai encore un petit peu de temps avant le live, une heure à peu près. Je vais redescendre, je vais avec Laura un petit peu. Puis après j'ai mon live une heure et puis après au dodo. La suite de nos séries et tout ça. Oh. Je vais vous faire demain une facecam sur les séries, mes séries préférées. Souvent on me demande mais tu regardes quoi, qu'est-ce que t'aimes, machin. Donc je vous ferai une facecam demain qui vous raconte mes séries préférées, le top 10. Pourquoi j'aime bien, pourquoi j'aime pas les séries que j'ai arrêtées en plein milieu, pourquoi, etc. Voilà, ça peut intéresser, je sais que ça intéresse pas tout le monde. Mais moi ça me dit de vous dire tout ça et puis je sais que ça intéressera quelques personnes. Et c'est très bien comme ça. Putain mes cheveux ils repoussent déjà hein. Oh, c'est tout doux tout de même. Ah hein. Oh, oui, c'est un peu beau quand même. Pas objectif du tout, le bonhomme. Ouais, je vais redescendre, poser un peu devant la télé avec Laura, et puis après, au boulot pour le live. Cette semaine, j'en ai fait un le soir, parce que bon, je sais que tout le monde n'est pas forcément disponible à 13h, 13h30. Donc du coup, ça permet aux gens qui sont pas disponibles de pouvoir profiter quand même des lives en direct, malgré le fait qu'on soit en semaine sans les enfants et tout ça, voilà. Bon allez, je vais descendre. Ça. La cacahuète, je t'ai ouvert la chambre des filles, hein, si tu veux aller faire dodo. Parce que j'avais arrêté la chambre des filles tout à l'heure, j'ai fermé la porte et du coup je pense que Kéote a voulu aller dans son panier, elle a pas pu aller dans son panier parce qu'en fait la porte était fermée et puis oh, il n'y a plus de bougie. Je vais l'ouvrir avec vous. Ça c'est les bougies. Ah, je vais avoir les doigts qui sentent. Ah, je vais avoir les dents et les doigts qui puent le parfum. Ah, oh, j'aime bien le parfum, hein. Même si je suis un gros dégueulasse qui pue. Bref, le live vient de se terminer, il est actuellement, je ne sais pas, j'ai pas la montre, 22h15, quelque chose comme ça, 22h30. Ah non, un peu plus de 22h30 je crois. Un live fini, 200-300 participants, ça fait plaisir. Une bonne ambiance, quelques bannissements hein, au passage, hein, oui, bah oui. Ah, je suis obligé, je me sens obligé de bannir des gens, tu sais ça. Et du coup, on a parlé blabla et tout, c'était sympa, on a parlé de sujets sympas. Donc là, je vais maintenant aller prendre ma petite douche. Ensuite, je vais rejoindre Laura, qui a testé les oreillers, du coup, parce qu'elle est actuellement dessus, hein, elle est sur les oreillers. Et elle m'a dit, waouh, il n'y a pas besoin d'un deuxième, parce que moi, en fait, j'avais laissé les anciens, et j'avais mis les nouveaux par-dessus. Ah, parce que moi, il me faut 30 000 oreillers.
Et puis du coup, Laura, elle m'a dit, ah non, non, moi j'ai enlevé l'ancien oreiller parce que là, ça fait beaucoup trop avec le... Il est tellement moelleux l'autre que... Donc elle valide. Donc je verrai demain, mais en tout cas je l'ai déjà mis sur mon site internet adrien-youtube.fr. J'essaierai de pas oublier de vous mettre aussi le... De vous mettre aussi la housse de couette qui est aussi super bien. Elle est super douce et tout, je vous la mettrai. Ah, voilà le collier que nous avons réussi à gagner dans le... Un petit pendentif. Oh, c'est une babiole, mais je trouve ça rigolo quoi. C'est pas fait à vrai... Oh si, c'est un vrai coquillage en plus. Ok. Voilà, une petite babiole qu'il y avait dedans. Mais j'aime beaucoup ces bougies, j'aime bien mettre des bougies à la maison, j'y pense pas toujours à les allumer, mais ça fait vraiment une belle ambiance, une belle odeur, j'ai envie de dire. Enfin bref, je vais maintenant vous laisser, tristement, à votre sort, sans poids. J'ai dit en live que j'allais filmer une de nos parties sur Warzone avec Geoffrey, alors je sais qu'il y aura pas beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo, mais c'est rigolo, moi j'aime bien, on rigole bien et j'ai envie de vous partager ces moments de rigolade. Donc pour le peu de personnes qui vont regarder cette vidéo, j'espère que vous passerez un bon moment de rigolade et que ça vous fera plaisir. Voilà, demain de toute façon j'ai un facecam que je vais tourner sur les meilleures séries, les séries que je préfère. Du coup j'ai pas de rendez-vous demain. Alléluia. Cette semaine il y avait deux rendez-vous très importants. Voilà, alléluia, c'est fini. Donc je vais pouvoir enfin terminer mes courriers, monter mon vlog demain matin, tourner ma facecam, monter ma facecam, et puis ça va faire du bien. Voilà, et puis j'ai un petit live à 13h30 aussi, au passage, voilà. Bon allez, je vous laisse, je vais mettre mes petits écouteurs, je vais aller prendre ma douche, et puis après je vais rejoindre Laura et les bras de Morphée, et les bras de Laura et les bras de Morphée, voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne nuit, un très bon repas. Je sais qu'il y en a qui regardent cette vidéo aux toilettes, donc je vous souhaite un bon moment aux toilettes. N'hésitez pas à commenter si vous êtes aux toilettes, vous marquez « Je suis aux toilettes, tu avais raison ». Mais voilà, c'est cocasse. Allez, des bisous, salut.